Chaque année, avant de connaître le vainqueur de la Star Academy, les derniers candidats doivent fermer les portes du mythique château de Damary-les-Lys et lui dire au revoir après leur aventure. Cette fois-ci, c'est Pierre et Julien qui ont été confrontés à cette étape émotionnelle. Les deux candidats, très appréciés, ont quitté les lieux ce jeudi 1er février. Déjà fortement émus la veille lors de la visite de leurs 10 camarades éliminés depuis le début de l'aventure, la jeune Lénie, touchée par la grippe, n'avait pas pu venir. Pierre et Julien ont cette fois-ci entrepris un tour du château pour se remémorer leur aventure, après quoi ils ont effectué une dernière descente de l'escalier emblématique avant de quitter définitivement les lieux. Bien qu'ils n'aient cessé de souligner à quel point le départ était difficile et exprimer leur tristesse de ne plus jamais y revenir, c'est une surprise de la production qui a finalement provoqué l'écoulement de leurs larmes. Effectivement, alors qu'ils se tenaient devant le château, Pierre et Julien ont eu l'occasion d'entendre l'enregistrement de la voix de Karima Charny annonçant leur arrivée au château il y a 3 mois. Ensuite, chacun de leurs camarades éliminés a laissé un message vocal, marquant ainsi le moment où les pièces du château se sont éteintes les unes après les autres. Tout a commencé ici le 4 novembre dernier. À 13 dans ce château, on s'est créé une véritable famille. Des rires, des doutes, de l'amour et surtout, de la musique. Des souvenirs gravés à jamais dans nos cœurs. Ce qu'on a vécu ici ensemble, c'est pour la vie. Si cette aventure, c'est la nôtre, cette finale, c'est la vôtre. Soyez fiers de vous comme nous sommes fiers de vous. Dans nos cœurs, la victoire, c'est de s'être trouvés. Tous les 13 jusqu'au bout de nos rêves. Nous voilà liés pour toujours. Admirez notre château une dernière fois, gardez-le au fond de votre cœur et n'oubliez pas, ont-ils entendu de Louis, Lola, Marie-Maude, Victorien, Margot, Clara, Candice, Djibril, Lénie, Axel et Elena, avant que la version réécrite de la chanson « On va s'aimer » ne débute. Un moment auquel ils n'ont pas pu résister. Enlacés et en larmes, les deux jeunes hommes sont demeurés silencieux pendant un moment avant d'assister à un feu d'artifice illuminant le château. Ensuite, ils ont été escortés vers le van venu les chercher, mais ont eu du mal à y monter. Ce moment s'est également révélé déchirant pour les internautes, qui, comme chaque année, ont été profondément émus par l'extinction progressive des pièces du château. Une consolation pourrait toutefois les attendre. La grande finale de samedi approche, où Pierre et Julien seront départagés sous les regards de leurs 11 autres camarades, tous de retour pour le Prime. Alors, qui de Pierre ou de Julien laissera une empreinte dans l'histoire de la Star Academy et sortira en tant que grand gagnant de cette saison 2023? À vous de voter.